Geste symbolique pour pérenniser la coopération entre l'opération des Nations Unies et la Direction générale de la police nationale. Matérialisé par ce lot d'équipements, un don qui n'étonne guère le patron de la police nationale. Déjà aux premières heures de sortie de la crise post-électorale, l'ONUCI était aux côtés de la police nationale, dont les services avaient été déstructurés. Après s'être réjoui de cette collaboration entre police ivoirienne et opération des Nations Unies, Bredoumbia égrène ici ses besoins. Je saisis ce moment pour vous demander dans un élan renouvelé de continuer à appuyer la police nationale au renforcement de ses capacités matérielles, techniques et humaines. Face aux nombreux autres défis qui restent à relever, l'opération des Nations Unies assure la police nationale de son appui constant. L'occasion nous est déjà donnée de travailler à nouveau avec la police, la gendarmerie, en particulier avec le ministère de l'Intérieur, pour proposer un autre projet. Ordinateurs et onduleurs, imprimantes, photocopieurs, toneurs, clés USB ont constitué le don offert à la direction de la police nationale, don que la police souhaite mettre à profit pour la sécurisation des Ivoiriens. Notons que le fonds de consolidation de la paix défendu par les autorités ivoiriennes aux Nations Unies est estimé à environ 1,5 milliard de francs CFA.